Mon meilleur souvenir de l'accélérateur, c'est le premier séminaire parce que ça a été une surprise géniale. Je ne savais pas trop quoi en attendre et en fait, à la fin du premier séminaire, je me suis dit « Ouais, mais c'est super, les intervenants sont hyper qualifiés, les thèmes sont très pertinents, on n'est pas du tout sur de la théorie et justement, on a des outils et des choses qu'on peut mettre en place directement dans nos entreprises, dans nos organisations. » La partie accélérateur haut, maintenant, nous permet de définir une stratégie. Le gros avantage, c'est d'avoir pu le faire partager à l'ensemble de nos collaborateurs, où tout le monde a pu se sentir impliqué dans ce programme. Ça a été très concret, ce qui nous a permis de mettre en place directement des actions, notamment sur les premières formations. Et c'est un programme qu'on a mis en place chez Odyssée Environnement. Je crois que depuis qu'on a commencé l'accélérateur, on est passé de 65, on est 75 et on va sûrement être 80 d'ici la fin de l'année. Donc ça s'accélère, c'est que ça s'accélère, mais ça s'accélère bien. L'accélérateur haut, il va apporter à la filière déjà une mise en lumière de certaines activités méconnues par les autres et puis sûrement la possibilité de travailler en meute, de travailler en réseau. C'est un travail d'équipe complémentaire, donc d'échanges croisés et avec des réponses certainement plus pertinentes pour mettre en place tout un programme de séminaires le mieux adapté possible pour notre filière qui a beaucoup de spécificités. Toutes les entreprises ont fait des formations. On a des formateurs qui passent, mais là vraiment il y a une sélection qui est, je vais utiliser le mot exceptionnel, des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, avec vraiment du concret, et ça nous a fait vraiment progresser dans tous les domaines. Donc surtout, venez.